Et salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite partie de Astro Knight Eternity, donc c'est la dernière occurrence de Astro Knight, la deuxième. Je vais vous faire voir une petite mécanique en plus de gameplay, sinon ça ressemble beaucoup au premier, en tout cas pour l'instant. Il y a deux petits points peut-être qui changent, mais globalement vous retrouvez exactement ce qu'il y avait dans Astro Knight le premier, avec des nouveaux personnages, avec des nouvelles cartes, des nouveaux boss, et le mode expédition qui est en fait un enchaînement de batailles pour chaque expédition. Donc pour l'instant c'est la première bataille qui est conseillée dans le livret. J'ai pas rajouté de carte promo, donc toutes les cartes que vous avez là c'est la carte de base, c'est le jeu de base de Astro Knight, si jamais il vous intéresse. Donc on est sur une mécanique qui ressemble beaucoup à Aeon's End. J'ai deux personnages ici, donc j'ai Caleb et Zach, donc un androïde. Sur les fiches de personnages on a trois indicateurs, on a les points de vie. Donc si on tombe à zéro, on est KO, il y a un effet qui peut se passer pour le boss. Le power, ça sert à quoi? Bah, je vais le faire monter, et quand il sera à 4, je peux utiliser l'action qui se trouve au milieu. Et après, je redescends à 0. Et voilà. Les slots, ça correspond à quoi? Ça correspond au nombre d'armes que les personnages peuvent équiper. A savoir que, comme on avait un peu dans Aeon's End, les breaches et les pouvoirs que l'on pouvait placer, que l'on pouvait préparer, les sorts... Ici, on va préparer nos armes. Et en début de round, la première chose que l'on fait, c'est utiliser les armes. D'accord ? Et ensuite, pendant le tour, on peut en préparer d'autres. Donc, on a une limite d'armes. Au début, ici, c'est 1 pour chacun. Mais ils peuvent monter tous les deux à 4 armes s'ils ont envie. Le boss, c'est le Diratian Behemoth qui est ici. C'est le boss. Alors, il a un gros deck, mais c'est un boss plutôt simple en fonctionnement. Ça veut dire que lui, son objectif, ça va être de nous éliminer ou d'arriver, de devoir le faire passer de niveau. D'accord, lui, il a jusqu'à 3 niveaux. S'il est au 3e niveau et qu'il doit encore monter de niveau parce qu'on a terminé son deck de boss, on perd la partie. Donc nous, il faut qu'on le fasse tomber à 0. Il ne faut pas qu'il nous fasse tomber notre monde à 0. Il y a les points de vie du monde qui sont ici, les points de vie du boss qui sont ici. Son niveau qui est ici. Donc comment ça se passe, les montées de niveau? Bah, c'est que si le deck ici il est vide, il monte de niveau et on joue une de ses cartes. Les minions, c'est comme dans Aeon's End, ils peuvent arriver ici et nous embêter, donc faire défausser des cartes. Hein. Ça va être ça le but, c'est qu'ils défaussent le plus rapidement possible. En fait, c'est sa montée en puissance qui fait qu'il est ici, qui va gagner. Et voilà. En termes de jeu, c'est du deck building. On a ici, oui, peut-être pas sur la vidéo, mais en dessous, j'ai les cartes de la main du joueur qui sont exactement dans un ordre bien précis en début de partie. Le deck qui est ici, ça va être défaussé, et quand notre deck est vide et qu'on doit piocher les cartes, on prend seulement notre défausse, on la retourne, on ne mélange pas, et ça fait la suite du deck. Donc c'est assez important. Il y a un nouveau type de cartes dans le jeu qui sont les afterburners. Enfin, un nouveau type de carte. C'est le même type de carte, mais qui ont un effet supplémentaire qui est l'afterburner. L'afterburner, vous allez le voir, j'ai pas de carte ici sur les personnages qui sont préparés. Je vais essayer de vous en faire voir un ici, peut-être. Là, il n'y en a pas. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, ici, il y a un afterburner. C'est sur le côté. En fait, c'est un effet qui n'est utilisable que si la carte est dans la défausse. Et tant que cette carte est dans la défausse, à chaque phase principale de jeu, donc quand je joue mes cartes, je peux utiliser l'effet, une fois. Donc ça, c'est un nouvel effet. Donc c'est bien, parce que du coup, ça fait une petite mécanique supplémentaire et de réflexion supplémentaire, parce que dans Aeon's End, on place ses cartes dans la défausse dans l'ordre où on veut, à part celles qui se jouent automatiquement, comme les armes ici, par exemple, enfin dans Astro Knight. Et donc quand on va récupérer des cartes comme ça, donc on les met dans sa défausse, et c'est important de savoir à quel moment on les achète, parce que si jamais ça se retrouve à la fin du deck, bah, c'est pas très utile, d'accord, il vaut mieux l'avoir au début du deck. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Lui, il a des jetons particuliers qui sont des jetons scope. Je sais pas s'il avait ça dans la première version, parce que c'est la deuxième version du personnage finalement, parce qu'il existait déjà dans la première boîte. Ici, il va pouvoir mettre des jetons scope qui vont faire gagner des points de dégâts aux autres personnages sur leur première attaque. Donc c'est sympa. Et si jamais on fait une défausse collective de 4 scope tokens sur tous les personnages, donc ça peut être à lui ou ça peut être à Caleb, à ce moment-là, on fait 15 points de dégâts. Donc ça peut être très sympathique pour éliminer le Behemoth. Donc ça, c'est les deux personnages qui recommandent. Hein. J'ai déjà fait une partie que j'ai perdue avec Caleb et... Non, pas Tsana, mais Reshi. Je l'ai perdu. On n'est pas arrivé à la moitié des points de vie du boss.
et on s'est fait éliminer par la montée en puissance. Donc c'est parti. Pour ceux qui connaissent pas, vous prenez des vidéos d'Aeon's End, où vous allez voir rapidement comment ça se passe. Donc le tour de jeu, comme dans Aeon's End, ici dans Astronaut, on a un deck de tour de jeu, et on pioche la carte. Le premier tour, c'est le joueur 2. On a des petits jetons ici, pour indiquer qui est le joueur 2, qui est le joueur 1, pour pas s'y perdre. Donc c'est le joueur 2, donc il n'a pas d'arme de préparer, forcément. Il prend sa main de carte, et... Donc ici, j'ai la main de carte de départ. De toute façon, 3 Power Core, c'est un peu l'énergie ici. C'est fait partie des cartes Fuel. Ici, je peux en gagner une. Et if you have one power or less, power up. Ah, c'est pas mal ça. Sur le Homeworld, on peut aussi faire du power up. C'est-à-dire que si on l'emmène à 2, on pourra utiliser le pouvoir qui est ici, qui nous permet, pendant la phase d'un joueur, que n'importe quel joueur gagne 3 points de vie, et que n'importe quel joueur puisse gagner un slot. Donc c'est assez sympa. Parce que ici, ça coûte que 2 en montée. Alors que nous, pour monter en puissance, il faut dépenser 3 énergies. Donc, il faut voir quand c'est possible. Ici, donc, je vais avoir 4 et 1 dégât. Donc ça, je peux préparer ma carte d'attaque pour le prochain tour. Je vais les mettre au-dessus, hein, la carte d'attaque. Donc cette carte d'attaque, au prochain tour de Zach, elle fera 1 point de dégâts. Donc je peux choisir entre les minions et le boss. Bon, là, il n'y a pas de minions, donc ça, pour l'instant, ça va. Et ensuite, j'ai mes cartes. Donc ici... On a différents types de cartes. Les cartes qu'on va acheter, il y a le coût qui est marqué ici, qui sont dans différentes catégories. Ça peut être du fuel, donc des points d'énergie en plus, ou des armes. Donc c'est important d'avoir des armes, mais c'est important de monter ses slots aussi. D'accord. Et c'est important de monter son power-up. Donc vu qu'il... Genre, je peux en avoir 2 et 2... je vais acheter, alors pour 2, je vais acheter cette carte-là. La carte, quand elle est achetée, on la met dans la défausse. Et si j'ai un pouvoir au moins, un power ici, j'augmente de 1. Donc ça, c'est pas mal. Il m'en reste 2. Alors, je révèle la nouvelle carte. Il m'en reste 2, je peux rien acheter. Ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser mes 2 power pour faire un autre power-up. Hop. Une fois que c'est fait, je défausse mes cartes. Mes cartes, je les défausse dans l'ordre que j'ai envie. Donc par exemple, je pourrais très bien dire, je vais coller ces cartes-là ensemble. Hop. Ensuite, je prends ma main. 1, 2, 3, 4, 5. De toute façon, celle-là était prévisible. Mon tour de jeu est terminé. On passe au tour suivant. Joueur 1. Donc le joueur 1, c'est Caleb. Et ben, on va faire pareil. Donc lui, il n'a pas d'arme non plus préparée. Il ne peut pas attaquer, forcément. Il va préparer une arme qui fera 1 point de dégâts. Et n'importe quel allié pourra piocher une carte. Et ensuite, il a 4 Power Core. Et qu'est-ce qu'il va faire avec 4 Power Core? Ah, ici, un effet bolster aussi, que je ne vous ai pas parlé. L'effet bolster, c'est quoi? C'est que quand vous devez défausser une carte, et bien, si vous défaussez une carte qui a un effet bolster, vous activez l'effet bolster. Donc, par exemple, si par exemple j'avais Caleb qui avait cette carte-là, Ectoplasme, qui a un effet bolster, et que Zach fait défausser une carte à n'importe quel joueur, si Caleb défausse cette carte-là, il fait l'effet bolster. Donc il la défausse, effectivement, mais il réalise un effet. Donc c'est sympa aussi. Je vais prendre de l'énergie pour l'instant, et je vais vous parler d'autre chose après. Donc ça, ça me coûte 3. Donc je mets 3, ça m'a coûté 3, et j'en ai encore une. Alors je peux décider de la défausser ou de la garder, je vais la garder. Et donc je ne pioche que 4 cartes. Ça rentre dans ma défausse. 1, 2, 3, 4. Donc les cartes que vous achetez, elles viennent directement dans votre défausse. Hein, vous ne décidez pas à quel moment vous la mettez. Les armes, quand on les utilise, on les met dans la défausse, dans l'ordre qu'on les utilise. Et par contre, toutes les cartes utilisées d'énergie, en fait, ou autres, sont remises dans la défausse dans l'ordre que vous voulez. Autre chose, les cartes tech. Donc on va pouvoir l'acheter pour la mettre dans notre deck, mais on peut aussi l'overcharge, donc payer le coût pour avoir l'effet immédiat, sans attendre qu'elle arrive dans notre deck. Donc ça peut être sympa pour certaines cartes, et ça peut être de l'opportunisme pour ces cartes-là. Parce que là, ici, par exemple, on paye 6, mais n'importe quel allié peut faire un power-up 2 fois, et n'importe quel joueur peut détruire une carte de sa main ou de sa pile de défausse. Donc ça, c'est des cartes qui sont chères, mais qui peuvent être intéressantes à jouer tout de suite sans les avoir dans notre deck. Fait que je révèle celle-là. Ok, tour suivant. Joueur 2, pour l'instant, on va se taper des tours, 2 tours de suite du BMOS. Joueur 2, donc c'est elle. Donc voilà, premier tour, j'ai des armes, je vais pouvoir l'utiliser, je vais faire un dégât
et je défausse ma carte, donc un dégât, vu que j'ai pas d'autre, il n'y a pas de minion pour l'instant. Le boss passe à 59, c'est rien. Et ensuite on peut jouer des cartes. Donc ici j'ai 4 power core, une attaque que je vais préparer. 4 power core. L'ectoplasme elle est pas mal hein, parce qu'elle nous fait, elle fait gagner une énergie à l'active player si on la défausse, mais en plus on récupère la carte dans notre main, donc on la défausse mais on la défausse pas vraiment. Donc elle est sympa. Je vais prendre celle-là du coup. J'achète celle-là, 4 power core, je les défausse. Donc voilà, c'est la fin de mon tour de jeu. Donc je révèle la nouvelle carte qui se trouve ici. Vous voyez que c'est pas, à la différence d'Ion Zen, c'est pas les mêmes cartes à chaque fois. Il y a des effets différents dessus. Il y a des fourchettes de coups. Ici c'est plutôt 2-3, on est sur 4-5 ici, 5-6 je pense. Ici je sais pas ce que c'est, ici 3-4 peut-être. Donc ici ma défausse je la prends, je la retourne complètement, c'est mon deck, il n'y a pas de mélange. Et je prends 5 cartes. La main des joueurs c'est 5 cartes, par défaut. Hop! Donc quand c'est comme ça et quand je joue en solo avec deux mains de cartes, je regarde s'il n'y a pas un bolster pour le mettre sur le dessus pour pas avoir à fouiller à chaque fois. Ok, donc le joueur 2 a joué. Vous voyez qu'on n'a pas fait beaucoup de dégâts, on n'a pas fait grand chose, mais... Player 1. Ah oui, donc les deux dernières, c'est le boss. Ouf. Donc le joueur 1, c'est pareil, il va faire un dégât. Et par contre, n'importe quel allié va piocher une carte. Donc lui, il pioche une carte. Et nous, on fait un dégât. Il passe à 58. On l'a égratigné légèrement. Scratch on the surface. Donc je peux préparer une carte d'attaque. Vous voyez que c'est des cartes faibles, donc il y a un moment quand vous aurez des attaques plus fortes, il ne faudra pas hésiter à les détruire pour réduire le deck et accéder plus rapidement aux attaques. 4, 4, 4. Je vais prendre celle-là pour 3. Ou je prends tout de suite des trucs qui font plus d'énergie plutôt. Non, je vais prendre celle-là pour 3. Parce que si là il va jouer deux fois, il risque d'y avoir des minions. Pour le prochain tour, ce serait pas mal d'avoir des armes. Donc pour 3, il m'en reste une. Est-ce que j'utilise ou je la défausse, soit je vais la garder. Enfin, je peux pas l'utiliser de toute façon. Ensuite, je pioche. Donc je pioche 1. Je retourne mon deck. 2, 3. 4, 5. Hop, et mon deck il est là. Donc là, bah, on sait très bien, on a joué tous les deux fois. On sait très bien que ça va être le boss qui va jouer deux fois. Allez, boss turn. Donc boss turn, qu'est-ce qu'il fait quand il s'active le boss? On active d'abord les effets qui seraient ici, qui feraient des activate. Okay. Ensuite, on passe à tous les minions qui seraient en bas. De gauche à droite, on fait tous les effets d'activation des minions. Et ensuite, on fait la phase de pioche. Attention, la phase de pioche, normalement, c'est une carte. Il y a une carte d'attaque qui fait des dégâts directement. Sinon, il y a des minions qu'on place ici, qui ne s'activent pas tout de suite. On leur met des nombres de points de vie sur eux. Les points de vie seront modifiés par le niveau du monstre. Donc ici, c'est plus 0, donc ils vont être au niveau des points de vie qui sont sur leur carte. Et par contre, ici... Pendant la phase de pioche du boss, on pioche et on résout une carte supplémentaire. Donc d'accord, dès le niveau 1, il pioche deux cartes au lieu d'une seule. Donc la première carte, c'est un crush, un strike qui nous attaque. Les joueurs doivent défausser collectivement deux cartes. Ça veut dire que soit un joueur défausse deux cartes, soit l'ensemble des joueurs doivent défausser en tout deux cartes. C'est pas cool. Alors, elle en avait une en plus. Et j'ai pas de défait de bolster, du coup je vais défausser, vu que pour l'instant j'ai le droit qu'à une seule arme, je vais défausser cette arme là. Donc ça fait une, et est-ce que je défausse quelque chose ici? C'est pareil, je vais défausser une arme, la plus faible. Hop, c'est pas de souci. Donc on a défaussé, on a fait la première carte, on fait la deuxième carte de boss. Stomp, c'est une attaque encore, n'importe quel joueur prend deux dégâts. Et on défausse une carte du deck de boss. Vous voyez qu'il fait en sorte d'accélérer. Et les minions qui sont avec lui font en sorte d'accélérer. C'est un boss qui est plutôt basique.
et qui se rush sur le fait de vider son deck pour monter de niveau rapidement et évidemment gagner la partie. Puisque c'est une manière de gagner la partie pour lui. Donc j'ai dit, il fallait que quelqu'un prenne 2 dégâts, je vais prendre Zach, Caleb plutôt. Et ensuite, je défausse une carte. Donc je la défausse sans la résoudre. Hein. Je défausse une carte. Ok. Et il va jouer une deuxième fois. Il n'y a toujours pas de mignon. On pioche une carte donc. Il attaque. On doit défausser encore 2 cartes collectivement. Ça commence à être chaud par contre. Là, j'ai pas vu la carte à combien était celle-là. 3 et 3, donc si on peut défausser. Bon, on va défausser une comme ça. Hop. Un power core ici. Et ici, est-ce que j'aurai assez 1, 2, 3, 4. Ouais, on va défausser un power core aussi. Je fais en sorte de pouvoir acheter toujours des cartes. Ok. Deuxième carte. J'ai déjà fait la deuxième carte. Non, non. Deuxième carte. Le homeworld, par contre, prend. C'est un dégât. Le homeworld qui prend 2 dégâts dans la tronche. Donc ça, les 2 attaques consécutives de boss, c'est toujours... Il y a des moments, c'est fatidique. Hein. Et une fois que c'est fait, bah, alors on a terminé les tours. Il faut remélanger les cartes. La mélange de cartes, vu que c'est pas beaucoup de cartes. Alors celle-là, c'est vrai qu'à la limite, les turn order, je serais peut-être amené à les sliver. Alors que le reste du jeu, je le slive pas trop. Parce que les cartes de boss, on les mélange une fois dans la partie. Enfin, à chaque niveau, mais bon, vous voyez la carte de boss aussi, on pourrait sliver. Les cartes ici, c'est pas la peine parce que nos jeux on les slive pas. Le turn order, ça peut être une bonne chose que je l'avais peut-être fait sur le premier, de sliver les turn order. Allez, on coupe et on verra bien ce que ça donne. Et donc là, potentiellement, je me retrouve avec 2 tours à nouveau du boss. Ça veut dire qu'il a fait 4 tours de suite. Hein. c'est pas de chance, mais c'est comme ça. Non, c'est le joueur 2. Donc le joueur 2, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il n'y a pas de minion encore, donc ça risque d'arriver énormément après. Alors un truc intéressant, c'est que son deck, il y a beaucoup de cartes dans le deck. J'ai des cartes en plus là pour le deck. Mais en fait, en fonction du nombre de joueurs, on va enlever des cartes. Je crois que là, pour ta 2 joueurs, on a enlevé 18 cartes ou 12 cartes. Non, 18, je crois bien. C'est marqué au doute, ça s'affiche. 1, 2... Ah, j'en ai peut-être enlevé trop d'ailleurs. C'est 18-12, j'ai dû enlever 12 cartes. Ouh, j'en ai peut-être enlevé trop en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouh, non, j'ai bien enlevé 12. Donc on a enlevé 12 cartes. Donc ça veut dire qu'en fait, on sait jamais en fait non plus les cartes qu'il y aura dans le deck. Ça se trouve, il a déjà fait beaucoup d'attaques. Il n'y a peut-être pas beaucoup de minons dans son deck et beaucoup d'attaques. Donc c'est aussi un indicateur. Quand on a passé une première fois le deck, de savoir que bah, son deck est plus lié à l'attaque. Et à la défausse que des minions. Donc ça veut dire qu'il faut se préparer à faire des gros dégâts. Et donc à monter son énergie et faire des gros dégâts et faire en sorte que le homeworld il soit safe. Alors que si on voit qu'il y a beaucoup de minions, bah, on va se préparer à faire des petits dégâts pour éliminer rapidement les minions qui vont nous emmerder. J'ai dit donc que c'était le joueur 2. Donc elle fait un dégât. Donc un dégât, on l'enlève ici. C'est sûr qu'on fait un dégât par un dégât, on va pas aller loin. Ensuite, bah, je vais placer une arme ici. Donc celle-là, elle sera bien au prochain coup. Par contre, celle-là, elle ne m'intéresse pas de la faire tout de suite, mais tant pis. 3. 3, 3, 3. Bah, 3, je peux prendre celle-là ou celle-là, je vais gagner un peu d'énergie, tiens. Essayer de commencer à remplacer des cartes de 1 énergie par des cartes de 2. Donc 3, 3, et j'ai pas un powerless, je vais faire déjà à 2. Donc je gagne pas cet indicateur là. Donc je vais pouvoir défausser mes cartes. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 4. Là j'ai un effet bolster, donc si jamais lui me fait défausser une carte, il faut le préparer. Donc là ici, la défausse elle reste là, hein, pour l'instant. C'est seulement quand j'ai besoin de piocher que je la prends en compte. Tour suivant. Le player 2 encore. Ah, bah du coup, on joue directement le player 2. Ok, donc elle fait... On utilise la carte, ça fait 2 dégâts. Si j'ai moins de 5 cartes, je peux augmenter les dégâts de 1. Bah, j'ai pas moins de 5 cartes, parce que j'ai pas eu à défausser de cartes. Donc je fais 2 dégâts. Bah, donc, on passe à 55. Et c'est défaussé. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait?
Alors ça me fait gagner. Ah, il faut que je retourne la carte qui est ici, je l'oublie à chaque fois. Ça me fait gagner 2, je pourrais faire un power-up, un autre power-up. Alors ça me fait gagner 2. Donc je vais la mettre dans ma défausse. Non, je vais pas la mettre dans ma défausse. Je la joue, fait gagner 2, je vais l'acheter. C'est un autre bolster. Et je vais faire 2 boosts de power. 1, 2, 4. Donc là, si j'ai envie, je pourrais faire activer mon pouvoir. Mon pouvoir, il fait quoi? Il fait... n'importe quel joueur peut gagner un scope token, ça augmente les dégâts. Et on peut défausser 4 tokens. Donc je pourrais très bien l'utiliser maintenant, sans je le faire, ça sert à rien que je le garde en suspens. Pour gagner un scope token, je vais le faire sur lui, je vais lui mettre le scope token à lui. Donc il n'est pas obligé d'utiliser. Hein. Donc il est marqué scope dessus, c'est bien, et puis il y a le rappel de la règle, c'est que c'est plus 1 sur la première attaque. Donc l'intérêt des scope tokens, c'est quoi? C'est qu'à lui, à chaque fois, à sa première attaque, il va faire plus 1. Et il le garde, le scope token, hein, il peut en avoir autant qu'il veut. Donc c'est ça, c'est Zach qui l'apporte. Si on veut faire les 15 dégâts, par contre, il faut en perdre 4. Donc c'est quand même pas mal de les cumuler, hein, parce que plus 1 à chaque fois, c'est quand même sympathique. Donc voilà, il a utilisé son power-up. Tour suivant. Joueur 1, décidément. Alors, joueur 1, bah, lui va faire ça, donc deal 1 damage, il va en faire 2 finalement, puisqu'il a le scope token, et il défonce son arme, donc on fait 53. Je comprends qu'ils acceptent que Zach soit dans les premiers joueurs hein, pour une partie, parce que il est quand même très puissant, Zach. Enfin, c'est un bon bonus d'avoir ça. Il faut le monter le power-up, mais c'est très intéressant. Et ensuite, on peut jouer. Donc là, j'ai pas beaucoup de cartes, tout défaussé. Là, j'ai pas d'arme en plus à placer. Oui, je crois que j'avais une arme en plus, mais je ne l'ai pas, Alors ici, je peux gagner 2 si un allié défausse une carte. Ah oui, j'ai oublié de reprendre ma main avant, par contre. Donc, hop, 1, 2, 3, 4, 5. C'est important parce que si jamais j'ai un bolster ici, j'en ai pas. Comme ça, on est tranquille. Donc si un allié défausse une carte, il gagne 3 à la place de 2. Ce qui me ferait gagner 5 au lieu de 4. Je vais dépenser 3. Donc par contre, est-ce que je fais défausser une carte à Zach? 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais faire dépenser une arme à Zach. Et donc ça me fait que celle-là vaut 3 au lieu de 2. Donc 3, et 3, je voulais faire quoi? Je voulais gagner cette carte-là. Donc c'est une carte qui a un effet afterburner. Donc, vu qu'elle est un effet afterburner et que je viens de l'avoir, elle est dans ma défausse. Alors pour les faire ressortir, les cartes afterburner, c'est un peu... faut les décaler légèrement. Ils disent que vous pouvez un peu étaler votre deck pour vous rendre compte des cartes afterburner. Donc c'est le côté un peu chiant de cette règle-là. C'est qu'il faut repérer celle qu'on a. Alors, normalement, on ne veut pas avoir un gros deck dans Astro Knight. On n'est pas censé en avoir un, sauf un des personnages, peut-être, qui a un intérêt à l'avoir. Mais donc, il faut essayer de les décaler pour savoir lesquels vous avez. Bon. Et tout en gardant l'ordre, hein, par contre, de défausse. Et après, il me reste 2 points. Je vais faire un power-up. Il faudrait que j'augmente mes slots bientôt aussi. Et donc, je défausse cette carte-là. Et celle-là, ici. J'en pioche 5. 1, 2, 3... 5. Donc ici, la carte que j'ai, hein, que tu as une fois par tour, c'est si je défausse une carte, je peux défausser une carte pour faire un power-up du homeworld. Donc c'est sympa aussi. Hein. Ici, j'ai pas de bolster, on est ok. Tour suivant. Player 1, ouais, encore 2 boss de suite. c'est fou, quoi. Le joueur 1, du coup, ah bah, il a pas d'arme en plus. Ah. Ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser 3 énergies pour faire pour augmenter mes slots. Comme ça va me permettre de placer une arme
et 2 armes. Ouais, mon tour de jeu. Parce que sinon, je n'avais qu'un seul slot, c'était pas pratique. Et je pioche donc une. Et par contre, là, je perds ma carte d'Afterburner. Puisque je reprends ma main. 3, 4. Comment ça se fait que j'ai la carte d'Afterburner tout de suite? Ouais, ok. J'en avais déjà une. Bah, je sais pas ce que j'ai foutu. Je suis étonné d'avoir ma carte d'Afterburner déjà dans la main. Alors que c'est partie des dernières cartes. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai mal joué? Je sais pas. Donc tour suivant, bah pas de surprise. Le boss, pas de mignon. Première carte. Ça c'est mignon. Hop, donc on lui met 3 points de vie dessus. Deuxième carte. Un autre mignon. Donc on va rien prendre dans notre tronche aussi. Donc les deux mignons, qu'est-ce qu'ils feront au prochain tour seulement hein? Lui, il défausse une carte du boss de deck, donc il accélère la progression du boss. Et celle-là, Snowdrift Lurker, et le Homeworld, donc il attaque le Homeworld. Il nous fait un dégât sur le Homeworld. À la limite, je serais tenté d'éliminer celle-là rapidement. Le Homeworld, on peut s'en tirer encore. Bon, bah, il joue une deuxième fois. C'est le problème, c'est que là, du coup, on n'a pas eu le temps d'intervenir. Activation, donc activation, il n'y a rien de spécial là-dessus. On défausse une carte. Et le Homeworld subit un dégât. Voilà, on n'a pas eu le temps de faire ouf qu'ils se sont déjà activés les mignons. On reprend notre deck de cartes. Quand ça se passe comme ça, j'espère toujours ne pas avoir à nouveau un truc du boss derrière, mais c'est comme ça, hein. Allez, on a pas d'armes. Zach, il a pas d'armes de préparer, quoi. Il a... Là, je me suis dit qu'il n'y avait pas trop de mignons, donc j'ai avoir le temps de faire de l'énergie, mais peut-être que je suis trompé. Alors, joueur 2, donc il a pas d'armes, donc c'est vite vu. Alors, je peux en préparer une. Il faut que je les change, mes armes. Ah, j'ai pas retourné la carte qui était ici. Ici, on a un Corona Flair. C'est quoi, un Corona Flair? Il gagne 2. Et si j'ai 3... 3 armes équipées ou plus, je peux gagner 3 à la place de 2. Ça, ce serait bien pour Caleb, peut-être. Ah bah tiens, je vais faire ça, peut-être. Bah, je vais faire ça, ça me fait 1 point, et je peux augmenter mon power-up ici. Grâce au micro-pulsar de Zach. Ensuite, ça me fait 2. Et ici, je peux avoir 5, 6... Est-ce que c'est intéressant d'avoir 5? 5 si lui défausse une carte. Mais... Ah, il va défausser une attaque pour l'instant. Ouais, quoi qu'il y a des mignons à attaquer. Non, il va pas défausser une carte. Donc 4, 4. Ouais, je vais prendre cette carte-là. Du coup, c'est pour 3. Et il me reste ça. Donc 1, 2, 3, 4.
Hop, tour suivant. Player one. Alors, par contre là, important, grâce à mon scope ici, je vais avoir plus 1. Et donc je fais 2 dégâts. Et si n'importe quel allié défausse une carte, j'augmente les dégâts de 2. Donc ça pourrait faire une attaque de 5. Alors, et j'ai un bolster, donc on va faire ça. Voilà. Ici, je vais attaquer avec cette carte-là. Donc je fais 2 dégâts. Et je défausse une carte qui a un effet bolster. Donc je fais bolster, ça me fait power up. Donc il augmente à 2. Et donc du coup, il fait que ça fait 4 au lieu de truc. Plus 1 du scope, ça fait 5 de dégâts. Alors évidemment, c'est que sur une cible. Donc vu que j'ai fait 5. J'ai fait 5 et c'est que sur une cible. Soit un minion, un des deux. Soit le boss, je vais réduire le boss. Donc, 53, 48. J'ai réduit le boss. Et après, un dégât, je le fais sur un des minions. Et ensuite, on peut jouer. Qu'est-ce qu'on va faire? Préparer les armes. Ouais, il faut que je remplace mes armes par des plus grosses armes. Voilà, par exemple, 2, 2, 3, 4. On va acheter cette arme-là. Et du coup, je vais le placer comment? Et là, du coup, j'aurai l'afterburner pour le prochain tour. Hop, boss turn. Alors, il s'active, on défausse une carte. Ici, on prend un point de dégâts. Et maintenant, on joue 2 cartes. Je l'ai fait tout à l'heure. Je sais plus. Première carte, c'est un strike. Alors, soit le homeworld prend 3 dégâts, soit on défausse 3 cartes du boss deck. Alors, on va prendre 3 dégâts ici. Elle est forte, cette carte-là. Et deuxième carte, on est toujours à 2 cartes pour l'instant, un minion qui vient avec 3 points de vie. Bon, lui, il nous fait prendre des dégâts, c'est pas la merde. Ok. Joueur 2. Donc le joueur 2, il peut faire une attaque à 1. Donc on va attaquer celui-là. On prépare une arme. Là, j'ai 3. Je vais faire un power up. Ah non, je vais augmenter mon slot plutôt. Ça, je pourrais avoir 2 armes. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, celui-là, j'ai un bolster sympa. Ok, tour suivant. Le boss. Ah. Alors, on défausse une carte du boss. On prend un dégât. On commence à dérouiller. Et n'importe quel joueur prend un dégât. Je vais prendre Zach. Hop. Et ensuite, on tire 2 cartes. Et là, on en a qu'une. Donc, de toute façon, quand je dois tirer une carte et que j'en ai plus, on va changer de niveau. Et donc, c'était un minion en plus. Oh lolo. Donc, c'est le minion juste avant le changement de niveau. Donc là, je ne peux plus tirer de carte, donc je fais rien. Et là, il change de niveau. Donc, ça veut dire qu'il passe au niveau 2. Ça veut dire que les minions qui arrivent maintenant, ils arrivent. Donc on tire toujours 2 cartes à la fin de son tour. Il y a un effet instantané, c'est que tous les minions gagnent 1 point de vie. Et que les prochains minions vont arriver avec un plus 1. Donc on ajoutera un token en plus là-dessus. Donc j'ai beaucoup de minions qui sont là. Euh.
on prend son deck. Et donc là, je vais avoir beaucoup d'attaques. Et en plus, je vais résoudre une carte. C'est vrai qu'il y a 4 minions, du coup, c'est pas dans son deck. Le deck, il va aller plus vite. Du coup, ce tour-ci, le deck, il va aller plus vite parce que j'ai pas éliminé les minions. Et on résout une carte. Et donc, c'est un strike. On doit défausser collectivement deux cartes. Alors, bah, je vais en profiter. Je vais faire bolster. Je vais défausser celle-là. Effet bolster. Alors, le joueur actif... Bah, du coup, il n'y a pas de joueur actif. Ah non, il y a bolster. Du coup, je peux pas le faire sur, sur une défausse du monstre. En fait, je peux pas le faire, ça. Ah, ça m'embête. Moi, je défausse ça. Et lui, est-ce qu'il va défausser ça? Alors, ça peut être deux d'un côté, hein, c'est pas un problème. Ah non. Donc, c'est elle qui va défausser une deuxième carte. Ok. Donc, les deux au niveau 2. C'est quand même mal barré, encore une fois. Le joueur 1. Donc, le joueur 1, il va faire une attaque de 2. Puisqu'il a 1 plus 1 avec le scope. Donc on va éliminer celui-là. Ensuite, une attaque de 1. Il va être pénible. Et là, j'ai pas d'armes à préparer. Oh là là. Par contre, j'ai 2, 3, 4, 5, 6. Je peux aller jusqu'à 7 même. Je vais lui faire défausser une carte à lui. Donc ça fait que la valeur est 3, celle-là, 3 et 4, ça fait 7. Et je vais prendre celle-là. Celle-là, elle fait... D'ailleurs, oui, non, faut pas que je mette ça tout de suite. Hop là. Elle fait 6 dégâts. Et ça permet de réfléchir sa main en plus, c'est pas mal. Et hop, et 1. C'est vide ici, c'est reparti. Alors, on n'est pas super bien. Hein. On n'est pas super bien. Allez hop. Joueur 1. Voilà, c'était pas d'arme. Donc, il va pouvoir faire quoi? Il faut retourner cette carte-là. Alors, on a une weapon qu'on peut placer ici. Une deuxième qu'on peut placer ici. Ah, j'en ai une troisième. Du coup, je vais dépenser 3 pour augmenter mes slots. Et comme ça, je peux placer une arme encore. Et je vais mettre celle-là en premier. Et ça, ça vient dans ma défausse. Et 1, 2, 3, 4, 5. Il faudrait que je pense que ça peut faire un power-up sur Caleb aussi. Et ici, qu'est-ce que... Ah oui, j'ai plus que deux cartes en main. Super. J'ai tout fait défausser, elle. Bastard. Alors, ici on prend un dégât. Ensuite, on souffre. Any player souffre. When, on va prendre Zach. Et ensuite, on défausse une carte ici. Et n'importe quel joueur prend un dégât. Allez, Zach, prend un dégât. Ok. Et ensuite, on pioche deux cartes. C'est pas tout. Alors, ici, c'est une attaque sur le Homeworld. Oh là là. Ça fait un dégât et en plus on défausse une carte ici, ça s'accélère là, ça va s'accélérer gravement. Deuxième carte, une attaque, le Homeworld souffre de 2 dégâts. C'est le début de la fin les amis, je vous le dis, c'est le début de la fin. Il ne faudrait pas qu'il joue une deuxième fois. Player 1, ah, alors Player 1,
Il y a toujours un moment dans le jeu, je me dis, est-ce que je rush le boss pour le faire descendre, parce que de toute façon les minions vont m'emmerder. Ici par exemple, donc j'ai 3 attaques possibles. Enfin, j'ai 3 attaques, je peux faire mes 3 attaques, je peux faire 3 dégâts. Et je peux défausser une carte, je peux détruire une carte qui est au-dessus. Je vois pas trop l'intérêt de détruire une carte du dessus des decks, sauf si j'en ai une que je veux pas du tout. Elles sont toutes bien les cartes. Donc je peux faire 4 avec celle-là, 4 dégâts. Donc je peux éliminer un minion si je veux directement. Et je crois que je vais éliminer. Ou alors je fais 4 dégâts à l'autre là-bas. Et je gagne une énergie en plus en faisant ça. Allez. Donc je fais 4 dégâts, je vais les faire à lui. Non, je vais les faire à... Je vais les faire à... Je vais les faire à lui. Si, je vais les faire à lui. 44. Et je gagne une énergie. Et je pouvais détruire une des cartes qui était au-dessus. Ensuite, je peux faire 2 dégâts. Et si un allié défausse une carte, lui, il a presque plus de cartes, donc ça sert à rien. Je pourrais le passer à 4. Donc je vais faire 2 dégâts. Et je vais dégager celui-là. Et enfin, je peux faire un dégât et n'importe quel allié peut piocher une carte. Donc comme ça, je vais piocher une carte. Hop. Et je fais un dégât, je vais le faire sur qui? Je vais le faire sur... sur lui. Ensuite, donc on peut préparer une arme. Et on peut préparer deux autres. Vous voyez l'intérêt d'avoir des slots, hein. Et par contre, j'ai 2, je vais faire un power up, je vais pas m'embêter. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. J'ai pris l'effet de bolster avec lui. Tour suivant, le player 2. Player 2, qu'est-ce qu'il fait? Il va pouvoir faire 2 dégâts, et si j'ai moins de 5 cartes en main, j'augmente les dégâts de 1. Et c'est le cas, j'ai que 3 cartes en main. Donc, pas mal, hein. Donc il fait 3 dégâts au lieu de 2. Donc 3 dégâts, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éliminer celui-là. Hop là. Et ensuite, on va pouvoir préparer une petite arme inoffensive. Et j'ai 3 d'énergie. 3 d'énergie, je vais... J'ai pas beaucoup de cartes qui détruisent des cartes dans mon deck. Hein. 3 d'énergie. Soit j'augmente un slot. Soit je fais un power up et je garde une carte. Et je fais un power up. Et je vais garder cette carte. Et donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Hop. Là, j'ai du bolster. J'ai le bolster qui fait de power up là en plus. Alors, tour suivant. Player 2, ok, donc je fais un dégât encore. On va tirer à lui. C'est pas de chance. Je peux préparer cette arme là. Ensuite j'ai 1. Ça je peux pas l'utiliser. 2. 3, 4. Six. 1, 2. Ouais, j'ai 6. Ouais, j'ai 6. Je vais prendre cette carte-là. Hop. On commence à prendre des grosses armes de 3, 4, 5. Ok, tour suivant, Buster, et oui, enfin, c'était évident. Alors les minions, n'importe quel joueur prend un dégât, allez.
Un peu à Caleb, chacun son tour. Et ensuite, on pioche deux cartes. Strike, n'importe quel joueur prend deux dégâts et on défausse une carte du boss du deck. J'ai pas vu de carte où je me soignais encore. Hein. Et on défausse une carte. Deuxième carte, donc on va peut-être... Oh, faut pas qu'on défausse une carte. Hein. C'est un mignon, ok. Donc, un mignon, donc lui il vient avec 2 plus 1, avec 3 d'énergie. On a 44 sur le boss. Et on mélange. Alors là je prie pour pas avoir à nous. Parce que là il va passer de niveau. Hein. Prochain tour du boss, il change de niveau. Juste ça quoi. Alors moi j'ai une grosse attaque qui arrive. La grosse attaque, je la ferai sur le boss. Je vais attaquer, je vais commencer à attaquer le boss. Et je vais laisser Zach essayer de taper des minions. Alors j'ai des petites attaques, je pourrais taper les minions aussi, mais les grosses attaques, je vais passer maintenant, ça sera sur le boss. Alors c'est bien, je vais pouvoir renouveler peut-être la main du. Ah. Allez, on va mettre comme ça. Turn order, quelle carte en premier? Ah oh là 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 là. N'importe quel joueur prend un dégât, ok. N'importe quel joueur. Any player, un de homeworld for one damage. Ah oui. Donc, voiture est pour toi. Et le homeworld, 17. Et ensuite, on pioche deux cartes. Et voilà, et donc, première carte, c'est une attaque. Le joueur qui a le plus de slots. Prend 2 dégâts et défausse une carte. Donc le joueur qui a le plus de slots, c'est Caleb. 1, 2, aïe. Et je défausse une carte aussi. Ah, c'est dommage. Et là, je peux pas piocher. Donc du coup, je peux pas piocher, il monte de niveau. Donc il va passer en niveau 3. En plus de ça, instant, eux ils gagnent 1 en plus. Toc. Et maintenant on piochera 2 cartes. Ça, ça va être dur. Ça va être dur de gagner aujourd'hui. Encore. Donc on mélange ça. Et on va résoudre une par contre. J'espère que ça peut être une carte qui fait défausser une autre carte. Et bah ici, évidemment. Donc le homeworld qui prend un dégât. Et on défausse une carte. Elle va accélérer tout de suite. Après c'est ouais non, dommage. Ok. Ah oh, la vache. Deux tours de suite. Alors, du coup, n'importe quel joueur prend un dégât. Allez, on commence à être, ça commence à être dur. Et encore, n'importe quel joueur et le homeworld. Et après, on pioche 3 cartes. C'est une plus 2 additionnelles. Ah là, c'est un coup qui nous met. Alors, 3 cartes, on va être bien là. N'importe quel joueur prend 2 dégâts et on défausse une carte du deck de truc. Oh là là là. Donc, 2 dégâts, 1, 2. Et on défausse une carte. Celle-là est jouée. Ça, c'était la première carte. Deuxième carte. C'est un mignon. Donc, qui arrive avec 5. On va dire que 5, je vais mettre un marqueur 5 direct. Et troisième carte. C'est une attaque. On doit défausser 2 cartes collectivement. C'est les tours du boss. On doit défausser 2 cartes collectivement. 1, 2, 3, 4. Lui il défausse ça, enfin, il n'aura pas d'armes après. Et lui, il a défaussé quoi? J'ai pas envie de défausser avec lui. Donc il défausse une autre carte. Et voilà le tour du boss. Autant dire que là on est mal barré les amis. Allez, maintenant c'est à nous de toute façon. 2. Alors, on fait 2 dégâts, on récupère 1 point de vie. Et on peut détruire la carte du dessus de n'importe quel deck.
Ah, je vais détruire celle-là, peut-être, tiens. Hop là, comme ça, on va révéler une nouvelle. Qui est moins chère. Et on fait deux dégâts. Donc les deux dégâts, je vais les faire à qui? Je vais faire à un mignon, je pense, qu'il nous emmerde. Là, par contre, je vais peut-être le faire à lui. Hop. Ensuite, j'ai 1, 2, 3 cartes. Je vais faire un power-up avec deux cartes. Et je vais utiliser le scope et je vais l'ajouter à lui. Donc il a plus 2 sur sa première attaque. Ça, ça va là. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, ensuite, joueur 2, j'ai pas d'armes. Ça, t'es mieux que ce soit l'autre. Alors, je peux en préparer une. 2, 3. Alors, du coup, il faut que je redescende à 0 par contre ici. 3, 4, 5. Ouais, j'ai un effet bolster encore. J'ai deux effets bolster. Là. Alors, je sais pas si je peux les faire en même temps sur une. Bah non, c'est sur la défausse de la carte. Tour suivant. Donc là, du coup, j'ai mon joueur 1 qui va jouer deux fois. Alors, j'ai quand même un plus 2 sur ma première attaque. Je fais 6 dégâts. Et après, chaque allié peut piocher deux cartes et défausser deux cartes. Enfin, jusqu'à deux cartes, c'est up to. Donc d'abord, on fait deux dégâts. Allez, 6 plus 2, 8. Je fais 8 et je le fais sur lui. Ça fait 36. Alors, est-ce que je vais défausser deux cartes jusqu'à deux cartes? Je vais faire 1, 2, et je vais en piocher 2. 1, ouais, j'aurais peut-être pas de voix. Nul. Ensuite, j'ai deux attaques encore. 1 et 2. Allez, ce mignon, il dégage. De toute façon, là, maintenant, si le boss, il termine son deck, j'ai perdu. Hein. Donc là... Mais bon, 2 points de dégâts, je passe à changer quoi que ce soit. Il faut vraiment que j'arrive à choper les grosses armes. Donc 2... Je vais faire ça. 2, et ça vaut 3 si il y a un allié qui défausse une carte. Donc on va défausser celle-là. Ah, quoique... J'ai pas envie. Moi, je défausse celle-là. Donc ça vaut 3. 4. 3 et 3, 6. Je vais pas retourner cette carte-là encore. 6, qu'est-ce que je peux prendre avec 6? J'aurais peut-être dû lui faire défausser la carte en fait. Oui, ça sert à rien qu'elle la défausse en fait. Parce que 5, ça me suffit. Et ensuite, je défausse ça. Et 1, 2, 3, 4, 5. Oh merde, j'ai bougé mon marqueur ici. Je crois qu'il était à 2. Je sais plus. Et évidemment, c'est encore à moi et j'ai pas d'arme de préparer, pour le coup. Chez mon ennemi.
Et là, j'en prépare 3. Mais c'est moyenne. Hein. Et j'ai 3, 3, 3. Je vais faire un power-up avec 2. Je vais garder cette carte-là. Comme ça, celle-là est par ici. Et 1, 2, 3, 4. Allez. Fin du tour. Et là, ça va jouer, là, hein, les gars. Ça va... L'ordre va être important. L'ordre va être important. Je suis pas sûr qu'on puisse le gagner. Mais je dois bien descendre en dessous de 30, par contre. J'ai oublié que lui, il a pas... J'ai envie de taper cette carte-là. Hein. Ah, si on s'en tire, si le joueur 1 attaque, là, ça pourrait être très cool. Hein. Je peux éliminer... Je fais 2. Je peux passer à 4. 4 et 3, 7. Ouais, c'était un 8. 8. Ah, 8, c'est pas... Ah, 8 et 2, 10. Avec les, le bonus. 10, ça fait 26. Oh, on est loin quand même. Hein. On est loin. Peut-être faudrait quand même que je dégage cette carte-là là, qui m'emmerde. Allez, on va voir d'abord qu'est-ce qui attaque en premier, parce que c'est pas gagné quand même. Player 1. Ah. Le choix tout de suite. Qu'est-ce que j'ai comme... Ah, je défausse une carte. Et donc je défausse une carte et donc cette carte là fait 4 de dégâts. 4 de dégâts. Ah oui, non, si c'est la première. Ça fait 4 et 2, 6. Allez, je fais là-dessus. 30. Ensuite, celle-là fait 3 dégâts et elle gagne une énergie. Donc 3 dégâts, j'ai une énergie, il faut que j'y pense. Et celle-là, elle fait 1 dégât. Et lui, il peut piocher une carte. Ok. Ensuite... Ensuite, je fais ça. Je fais un power-up. Je passe à 4. Ok. Je peux activer mon power-up si j'ai envie. Alors, attends, je vais d'abord avec mes deux autres. Moi, je le ferai après. Parce que les deux, je ne vais pas faire grand-chose. Donc, activer during a main phase. Je peux attaquer avec une de mes armes. Et les alliés peuvent collectivement défausser jusqu'à 4 cartes. Pour chaque carte défaussée, j'augmente mes dégâts de 2. Donc là, sachant que j'ai 6. Sept, 8. 9. C'est 2 points à chaque fois. Donc 4 fois 2, ça fait 8. 8 et 6, 14. Donc je défausse 4 cartes de Zach. Je fais 14 de dégâts. Donc je fais 14 sur lui, donc il lui reste 16. Ce que je ne sais pas, c'est si je dois défausser ma carte. J'imagine que oui, sur le pouvoir. Parce que sinon, ça serait puissant quand même. J'imagine que oui. Et donc il me reste 2, donc ça c'est revenu, et je vais faire un power-up de 2. Hop. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. On l'a fait descendre quand même. Hein. On l'aura fait descendre.
Mais bon, là, il me reste plus beaucoup de cartes avec les autres, ça va être compliqué quand même. Ça va dépendre beaucoup du tour de jeu quand même. Ah, le boss turn, oui. Discard the card from the boss deck. Hmm. Ensuite, on pioche 3 cartes. Et s'il y a une des fausses. Alors, le homeworld prend 3 dégâts. Il n'y a pas de souci. Le homeworld, il commence à être ruiné, mais. Là, c'est la première carte. Deuxième carte. Alors, le joueur avec plus de slots, c'est lui. Ah! Non! Putain. Prends 2 dégâts et défausse une carte. Donc lui, il tombe à 0 et je dois défausser une carte. Alors, je dois défausser une carte. Quand when the player is exhausted, c'est mon cas. On défausse 2 cartes et vous savez, il m'en faut encore une. Hein. Il m'en faut encore une. Je défausse 2 cartes. Parce que lui, il est tombé KO. Et vu que là, je dois piocher ma troisième carte, que c'est vide, il doit monter de niveau. Il ne peut plus monter de niveau, donc il gagne la partie. Espèce de bâtard. Bon, bah une défaite de plus sur Astro Knight, mais j'ai toujours, je trouve qu'il y a un bon feeling de monter en puissance. Peut-être ma courbe était trop lente au départ. Il termine à 16 points. 16 points, de toute façon, je ne serais pas venu après. Il a déjà fait ses 2 boosters. Non, il en reste encore un. Hop, oh, il en faisait un deuxième. Bon, il n'y a pas de regret à avoir. Hein. Après, c'était 2 fois le 2. Ouais. Il n'y a pas trop de regret à avoir. Moi, j'avais une carte qui faisait 4 là. Ça faisait 6. On aurait eu du mal quand même. Je vais démarrer trop tard, ma montée en puissance. Je sais pas. En tout cas, bah voilà, c'était une partie d'Astronite. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas si vous en pensez. Si vous voyez que c'est plus rapide qu'Aeon's End en termes de partie. Je trouve un petit peu quand même. C'est plus speed. Voilà. C'était Astro Knight Eternity, donc c'est le deuxième KS. Vous pouvez trouver le premier. Je sais pas si ça a été traduit. Je sais pas du tout. Si Aeon's End a été traduit, peut-être que celui-là sera traduit. Mais moi j'aime beaucoup. J'aime bien le feeling du jeu. J'aime bien mes 2 personnages là qui font du blast. Ça change un peu des magiciens. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.